Monsieur Wauquiez, vous n'êtes pas le nouveau souffle pour notre région, vous en êtes le mauvais vent et on le chassera ce mauvais vent. C'est la réponse de Jean-Jacques Erran à Laurent Wauquiez, le président sortant de la région Rhône-Alpes, tenait lui aussi meeting hier soir au Transborder, à seulement quelques mètres de la salle 3000. Le socialiste qui a clairement désigné ses adversaires pour cette élection. Il s'agit de l'extrême droite, mais aussi de Laurent Wauquiez, bien sûr, représentant selon lui de la droite extrême. Il veut diminuer de moitié les subventions aux associations culturelles, sportives, d'éducation populaire, d'insertion aux missions locales. C'est cela, dites-le. Longtemps à la traîne dans les sondages, Jean-Jacques Erran a également lancé un appel au rassemblement de la gauche devant Najat Vallaud-Belkacem, Thierry Braillard et André Vallini, venus le soutenir hier soir. J'en appelle aux démocrates sincères. Je veux en appeler aux amoureux de la nature, ceux qui justement veulent préserver nos cours d'eau. J'en appelle à tous les républicains. Pour construire une région digne d'elle-même, digne de son histoire, digne de ceux qui la font vivre, digne de ses valeurs. Une unité devenue indispensable pour Jean-Jacques Erran qui espère décrocher un troisième mandat à la tête de la région.